crépuscule du matin. La Diane chantait dans les cours des casernes, et le vent du matin soufflait sur les lanternes. C'était l'heure où les saints des rêves malfaisants tord sur leurs oreillers les bruns adolescents, où, comme un œil sanglant qui palpite et qui bouge, la lampe sur le jour fait une tache rouge, où l'âme, sous le poids du corps revêche et lourd, imite les combats de la lampe et du jour, comme un visage en pleurs que les brises essuient, l'air est plein du frisson des choses qui s'enfuient, et l'homme est là d'écrire et la femme d'aimer. Les maisons, ça et là, commençaient à fumer. Les femmes de plaisir, la paupière livide, bouche ouverte, dormaient de leur sommeil stupide. Les pauvresses, traînant leurs seins maigres et froids, soufflaient sur leurs tisons et soufflaient sur leurs doigts. C'était l'heure où parmi le froid et la lésine s'aggravent les douleurs des femmes en gésine, comme un sanglot coupé par un sang écumeux. Le chant du coq au loin déchirait l'air brumeux. Une mer de brouillard baignait les édifices, et les agonisants dans le fond des hospices poussaient leur dernier râle en hoquets inégaux. Les débauchés rentraient, brisés par leurs travaux. L'aurore grelottante en robe rose et verte s'avançait lentement sur la Seine déserte et le sombre Paris, en se frottant les yeux, empoigna ses outils. Vieillard laborieux.